Ça fait des années que j'ai remarqué ceci. L'odeur de l'eau qui sort de la douche, et certainement du bain, que ce soit en France, aux États-Unis ou ici au Japon, et donc je présume dans les pays développés, a la même odeur. C'est une odeur chimique assez forte, surtout quand on prend sa douche dans un compartiment petit, fermé. On le sent d'autant plus, mais je pense qu'on le sent dans toutes les occasions parce que c'est vraiment une odeur, moi qui me prend à la gorge, qui est vraiment très très forte. Et donc c'est certainement dû au traitement de l'eau. Je pense qu'on utilise, il est utilisé des agents chimiques très très forts pour traiter l'eau. Mais j'ai le sentiment, et je fais une prévision ici, qui se révélera peut-être jamais vraie, soit parce qu'elle n'est pas vraie, soit parce qu'il n'y aura pas d'enquête ou étouffement d'enquête, j'en sais rien. Ça y est, mode complotiste. Mais je fais une prédiction, c'est que un jour, si il y a une investigation qui est menée là-dessus, il y aura un scandale de révélé sur les produits qui sont utilisés pour traiter l'eau sanitaire, donc l'eau qu'on utilise pour prendre sa douche en particulier. Et d'ailleurs, je ne remarque pas cette odeur. J'ai le nez relativement fin, même si en ce moment je suis enrhumé. Mais je ne remarque pas cette odeur dans l'eau de l'évier de la cuisine ou quoi. Par contre, dans la douche, c'est très très fort cette odeur. Alors, et c'est la même, c'est exactement la même en France. L'année dernière, non, il y a 2 ans, j'étais à New York, à l'hôtel, c'était la même. C'était pas un hôtel d'ailleurs, c'était un Airbnb, l'appartement de quelqu'un. Et donc ici au Japon, c'est la même odeur. Donc je pense que ce sont les mêmes produits chimiques, peut-être une combinaison de produits chimiques, j'en sais, qui sont utilisés pour traiter l'eau, et ça pue. Et franchement, j'ai le pressentiment que c'est cancérigène. Donc j'espère qu'il y aura une étude. D'ailleurs, c'est peut-être déjà le cas, et je ne suis pas forcément bien informé là-dessus. Mais si ce n'est pas le cas, moi je prédis un scandale au niveau de la chimie qui est utilisée pour traiter l'eau. Voilà quel était le sujet de ce matin. Ça fait des plombes, voire des années que je me dis qu'il faut que je l'écrive quelque part publiquement. Et comme maintenant je fais des vidéos, je m'exprime par ce biais-là sur ce phénomène que j'ai remarqué. Dans les commentaires, vous pouvez me dire si vous aussi vous sentez cette odeur très très forte, chimique, antinaturelle, j'ai envie de dire. Et ce que vous en pensez, peut-être même vous êtes un professionnel du domaine et vous pouvez apporter des explications. En tout cas, je suis curieux de savoir quel produit est utilisé et quels sont les impacts réels sur la santé. Parce que quand on est dans un lieu confiné comme un bac à douche, c'est super prégnant et ça rentre... Enfin, moi, j'essaie de respirer un minimum. Mais je pense qu'une exposition à vie, puisqu'on prend sa douche tout au long de sa vie, peut avoir, je le crains, des effets, s'il y a des effets nocifs dus à ce produit. Voilà, donc si vous êtes sachant, connaissant, ou si vous partagez la même expérience, exprimez-vous dans les commentaires pour m'informer ou pour partager cette inquiétude si vous l'avez aussi. Merci de votre écoute et bonne journée.